On fait du transport express, on va ramasser des colis le matin dans les entreprises pour livrer l'après-midi, ou on prend le soir chez un client pour livrer le lendemain matin. Ça fait donc plus de 19 ans que je suis dans le transport en tant qu'indépendant. Beaucoup ici d'entre nous ont commencé avec l'identité de France Acheminement. Cette identité s'est arrêtée entre 2002 et 2003 du fait que le siège était à Toulouse et qu'il y a eu des problèmes. Donc nous, on a été obligés de rebondir et de créer une coopérative, la coopérative France Alliance 56. Donc France Groupement est arrivé et nous a proposé une solution rapide et une très bonne solution. On était dans un moment où c'était difficile, on ne savait pas comment se recréer, et à partir du moment où tous les départements allaient y adhérer, nous on a suivi, et c'est vrai que c'est tombé au bon moment. On reste, nous, des indépendants. C'est ce qui est le plus important. On a quand même notre société à nom propre, tout en étant coopérateur. Ça nous permet d'être engagés, d'avoir notre mot à dire, d'être concerné. On a évolué parce qu'on a un réseau, le réseau France Alliance, qui est au-dessus de la coopérative France Alliance 56. C'est une, on peut appeler ça une super coop ou la coop des coops, qui nous permet d'envoyer des colis de nuit. Donc, c'est-à-dire que depuis peu, donc, on arrive à envoyer des colis du Morbihan jusqu'à, on va dire, la basse Normandie, jusqu'à la Charente, le Grand Ouest, je dirais, en demi-journée. Le réseau nous permet maintenant de pouvoir se confronter à d'autres transporteurs qui sont plus gros que nous, en passant bien sûr par la sous-traitance parce qu'on ne travaille pas au-dessus de 3,5 tonnes, et le réseau nous permet de le faire. On était une quinzaine de coopérateurs, depuis on est 18 coopérateurs, on a 19 camions à tourner sur la société. Le travail s'est développé, donc maintenant il faut se structurer. C'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années. Demain, l'aventure coopérative pour France Alliance 56 était à refaire, on le referait sans problème.